Et salut YouTube et bienvenue pour la rediffusion du Not So Berry. Hein, live sur Twitch, parce que YouTube ça ne fonctionne toujours pas, donc bah voilà. Et bah, il est déjà levé lui? Oh bah, ça y est, ça commence. 5 minutes avant péremption. Je sens le truc qui va pourrir. Mais mange! Oh. Allez. Et bah voilà, il est pourri. Bah non, bah c'est bon, tu me casses les couilles. Tu me casses les bonbons, hein? Tu vas cuisiner, tiens, tu vas faire un truc, ça va être sympa. Servir le petit-déj. Les œufs brouillés au bacon. Allez. Ah, ça fait un de ces effets dans mon casque, c'est trop marrant. Je sais pas si vous entendez bien du coup. Je pense que oui. J'ai mis à fond pour. Donc. Mais ça fait un super effet dans mon casque. C'est jouissif. Bref, on s'en fout. Ça fait stéréo un peu. C'est pour ça que ça sent. Alors, 6h du mat. Bien sûr, Bordeaux va aller bosser. Bon, après, il est déjà au niveau 10. Hein. Je vous rappelle qu'on a quasiment fini ce qu'il fallait faire avec Bordeaux. Il faut juste attendre qu'il devienne personne âgée pour pouvoir le marier. Dans 9 jours, il deviendra un vieux. Et donc là, on pourra se poser la question avec qui on le marie. Donc, bien sûr, ceux qui seront en live avec moi auront un mot à dire sur le futur. Femme ou mari de Bordeaux, évidemment. Je suis en 1910, non, je regarde, mais j'ai pris en cours, alors je rattrape. D'accord, très bien, pas de soucis. Oh punaise, mais Martial, ton pseudo, je m'y habituerai pas, hein. Il est horrible, hein. Il est affreux! Merci, Sweetson. Ouais, c'était long hier, mais c'était sympa. Oui, pardon, excusez-moi, YouTube, est-ce que hier on a fait un bon live sur Twitch? De 6 heures, forcément. C'était sympa. Bon, alors il va bouffer. Moi, mon intérêt, c'est Pulco aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Il a pas beaucoup dormi, hein. Il commence dans 1 heure. Il avait fait ses devoirs, je crois, de toute façon. Bon, de toute façon, il est. Pff, voilà. On est lundi, donc lundi, et comme c'est quasiment son dernier jour de cours, quasiment, donc il va faire connaissance avec des gens. Ah, pardon. Oups, tu vas aller bosser comme ça. Et bah lui on va le laisser dormir et puis il va se lever juste pour aller à l'école hein. Pour l'instant il va. Je m'occuperai de lui quand il reviendra. Bordeaux part travailler, ça c'est bien. Il va travailler dur, c'est déjà ce qu'il fait, c'est parfait. Allez, tu peux être levé. 4059 simflouzes, deux factures. Et le petit pulco citron s'en va à l'école. Ouais, faudra passer par la case relooking quand il grandira. Alors, temps libre, Bordeaux a terminé une tâche plus tôt que prévu. Que doit-il faire? Chercher une œuvre d'art, écouter de la musique. Gain de performance moyen. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Attends la lettre d'admission à l'université. Mais oui! Alors, il a rencontré Romain. Ah, mais c'est bien ça. Je préfère que tu fasses connaissance avec des filles, tu vois, ça nous arrangera pour faire des gosses. Sachant qu'en plus. Vu que tu vas ressortir de l'université, t'auras 45 ans. Je pense que les gosses, tu les feras avant. Hein. qu'est-ce qu'on se marre? Faut attendre 1 mois. Bah, oui, d'accord, mais il fallait pas oublier ton ancien pseudo, enfin ton ancien compte. T'aurais dû le récupérer. Ils ont de la chance et les élèves pour le repas. Kebab frites. Ouf, ouais, là, j'ai pas envie de kebab, là, ça me. Ah, ça y est, c'est l'automne! Regardez les feuilles qui tombent dans la pistouche. Moi, je me prends plus la tête à ramasser les feuilles parce qu'en fait, ils ont un tic après les Sims, ils veulent faire que ça. Du coup, je ne le fais plus. Comme ça, je suis tranquille. Bon, on va accélérer un petit peu. Hein, histoire de. Ah, attendez, t'es. Ah, il a obtenu une augmentation! 10 simflouzes de l'heure. C'est déjà pas mal, hein. Parce que 10 simflouzes, déjà, si c'est 10 euros de l'heure en France, ça reviendrait à un bon salaire. Hein. Enfin. Je crois, oui, 7 fois 7, ça fait 350 par semaine, à peu près, si on est aux 35 heures, fois 4, 700, 1400, bah ça va, c'est quand même pas rien. Il a aussi il a reçu 1000 euros aussi, 1000 simflouzes, pardon. Et qu'on va dire. Ah, il va être responsable, il est rentré avec un. Ah non, il est rentré avec un projet scolaire, c'est cassé les pieds. Tu vas prendre une douche. Ils sont tous stressés eux aussi là. Va manger, Pulco. Prends pas un truc pourri, s'il te plaît. Oh là là, cette violence. Pauvre petit chou.
Après, tu iras te laver aussi. Tu vas prendre une douche. Toi, tu vas aller nettoyer le bordel là-bas. Quand même. Je suis un caca, j'ai zappé. Moi, j'ai des œufs au mimosa mayo. Fais maison si tu veux. Ah, grave, Alexa, je veux bien. Ça me donne envie, là. Tu m'as donné envie de manger des œufs. Ah, ce bruit trop chelou, on empêche. Je suis choquée, ça fait trop bizarre dans mon casque. C'est stéréo. La 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 la. Alors, il va mieux. Il va faire son projet scolaire. Projet scolaire qui est. Fusée! Eh ben, ça tombe bien, dis donc! Hein, lui, il en a une dans son jardin de fusée, hein. Je tiens à le dire, hein. Allez, tu vas commencer à travailler soigneusement. Au pire, on va appeler ton père pour qu'il t'aide parce que. Ma Daisy. Voilà, tu vas aider pour le projet. Au lieu de traîner sur l'ordinateur, là. C'est marrant, hein, que pour un futur astronaute, il est en projet scolaire de faire une fusée. Je trouve ça pas mal. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Passez-moi. Passez-moi! Oh, qu'ils sont beaux! Bon, Bordeaux est quand même plus beau que Pulco. C'est peut-être parce que c'est le rouge qui me plaît plus. Mais ils sont quand même pas dégueulasses, nos hommes, hein, quand même. Bon, j'espère que ce sera une fille. Ce serait cool d'avoir garçon-fille comme héritier à chaque fois. Bah là, on a deux garçons à la suite. J'avoue. C'est le jeu qui a décidé, hein, c'est pas moi, hein. Comme par hasard, une fusée. C'est ça. Le maire en petite tenue. Ah bah, comme ça. C'est pas le maire, c'est le président, Quentin. Attention. Salut, Sianana. Je me demandais quoi, le porte du frigo ne casse pas avec cette force. Je m'étonne. Nous, on ferait la même chose, on casserait tout, hein. Bon, par contre, arrêtez de parler. Voilà, merci. Et travaillez un petit peu. Allez. Ça dure tellement 3 ans de faire les projets scolaires. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire une aide avec, parce que sinon. Arrêtez de parler! Oh, ça m'agace! Ce besoin social là? Est-ce que moi j'ai un besoin social? Bah ouais, sinon je ferais pas d'internet. Finaise. Ouais. C'est bientôt fini. Mais arrête de parler à ton père! T'as juste besoin de ses mains et de ses neurones, hein, pas de sa langue et de sa bouche. Oui! Allez, tu vas la lancer. Punaise, elle est partie où? Elle est tellement haute que je la vois plus. Regardez, on voit la trace. Ah si, elle est là! Elle est là. Objet volant non identifié! C'est bien, Pulco Citron! Du coup, il est fatigué. Toi, tu vas aller manger. Toi, tu vas le mettre dans l'inventaire. Et puis tu vas aller te divertir. Bah, franchement, on n'aura pas le temps de faire grand-chose. Il va se divertir un peu, il est fatigué. Est-ce que du coup, je ferai pas travailler la logique après? Papapapapam. Non, c'est tout ça que je voulais voir. Alors, réparer ou améliorer un objet, fabriquer un niveau 6. Alors, on va attendre qu'il y ait un truc qui casse. Hein. Après, tu vas jouer un petit peu. Il est fatigué. Bah, il a pas dormi. Mince, je suis bête, moi. Il a pas dormi très bien, hein, cette nuit, là. Je sais plus, je crois que j'en avais fait bosser sur la fusée jusqu'à assez tard. Salut, Elodie, comment tu vas? Si Anana, t'as pas loupé grand-chose, hein, je viens juste de commencer la partie. Bah, ils étaient bossés et en cours, c'est tout, en fait. Voilà, y a pas eu grand-chose. Salut, Angel! Et puis, ben, on attend les résultats pour l'université. Tiens, 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 maman qui passe. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais va pas dormir, va au pipi room, Bordeaux. T'as pas laissé les trucs qui traînent? Si tu veux, tu peux. Non, pas mettre la table. Une poubelle ou un évier? C'est vrai qu'on a ni poubelle ni évier, hein? On est d'accord. C'est trop compliqué. Et tu vas enlever la nourriture gâtée du frigal après, s'il te plaît. Et puis lui. Oh, ça va être long. Ça va être long, il va pas réussir à choper un point de logique. Donc, on va abandonner. Tu vas aller au PC, voir si t'as eu ta demande d'accepter ou pas. Consulter le statut de sa candidature. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Google?
Jour d'école mémorable. Yes! Ah, ben voilà, Martial, le vrai pseudo! L'évaluation de notre candidature n'est pas encore terminée. Ça, c'est bien. Enfin, un vrai truc. Mais du coup, il est plus content. Oh là là, les sautes d'humeur. Mais tu vas pas dormir avec ton père, non? Va dormir dans ton lit à toi. Ouais, voilà, j'ai une journée de passée. C'est rapide, hein? Cette génération est très rapide. Ils sont que deux. Ils vont tous les deux bosser. Là, c'est très rapide. J'espère ne pas remuer le couteau dans la plaie où. As-tu trouvé le bug de YouTube? Non, pas du tout. J'ai retenté tout à l'heure. Ça n'a toujours pas marché. J'ai baissé la qualité pour streamer plus en 1080 mais en 720p. Et du coup, ça ne change en rien. Donc, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave. Moi, je préfère être sur Twitch s'il faut. Hein. C'est pas très grave. Tant pis pour eux. Oui, Martial, je préfère largement ce pseudo. Hein. Alors, c'est bientôt l'anniversaire de Pulco, de Pulco, de Pulco sa mère. Oh, il clignote, ça y est. Ça y est, il clignote. Il clignote comme McIrlande. Bon, on va aller le faire aller en cours. Je vais lui faire encore des connaissances. Oh, bah Romain, il a pas l'air très très beau. Parce que là, il connaît personne, quoi. Il connaît personne. Il a fait rencontre que. Bah, et le gars qui était tout vert. Il y avait un gars qui était tout vert, je me souviens, j'avais fait la blague de Hulk à un moment donné. Oh là là, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse connaissance avec elle, hein, parce que sinon ça va être chaud. Hein. Arrête de pleurnicher, ça va. Oh là là. Quel relou, hein. Je trouve que c'est long pour la réponse aux universités. Ouais, après c'est vrai que j'ai 5h15 du matin. Ça y est, il en souci des. Bordeaux a besoin d'amour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une douche froide, tiens, ça va te calmer les ardeurs. On va te calmer ton zizi tout dur. Voilà. Oh là là, oh là là, regardez cette classe avec son costard. Oh, j'en ai des vapeurs. Elle va manger. Faut bien l'occuper, le petit. Hein. Et lui, oh, il va avoir besoin de pisser et de manger une force assez énorme. Il n'aura pas le temps de dormir entièrement, encore une fois, mais c'est pas grave. Allez, tu vas te lever. Tu vas faire pipi et manger, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Ah! Vous imaginez. Vous savez très bien la sensation que ça fait quand vous vous retenez depuis beaucoup trop longtemps. Et d'un seul coup, c'est. Ah! La libération. Eh oui, la vie est pleine de petits bonheurs de ce genre-là. Oh, mais arrête avec tes. Et parle pas à ton père. Casse les couilles. Mange. Nourris-toi. Faut alimenter cette cervelle. Oh là là, il va devenir un jeune adulte. Déjà! Ce n'est pas celui qui est mort, le ver. Qui est mort? Mais qui c'est qui est mort? J'ai pas suivi. On va voir notre beau Pulco en jeune adulte. Eh oui! Il n'est pas calmé pour autant, notre Bordeaux. Ouais, non, bah écoute, c'est. Ah bah tiens, il fait lui tout seul son réseau social, lui. Ça y est, ils sont autonomes, ce n'est plus des machines. Nos Sims se rebellent et font leur vie tout seul, quoi. 25 abonnés. Eh ben, il va les taffer. C'est vrai que j'ai oublié de payer les factures, hein. Faudrait que je le fasse. Faudrait qu'il le fasse en rentrant. Allez, Pulco part à l'école. Bravo, Pulco. Et tu vas te faire des amis. Hein? On va essayer de choper. Il a toujours pas reçu sa réponse à l'université, du coup, il est stressé. Et on va essayer de. Ah bah! Vous avez vu? Il a perdu la fille de vue maintenant! Pff, nuit de révision. Pulco a bientôt un contrôle très important, mais ses activités scolaires ont été très intenses ces derniers temps. Doit-il boire des litres de soda au cola et potasser jusqu'au contrôle ou trouver une activité ludique pour reposer un peu son cerveau? Eh bien, que fait-on? Je crois qu'au Bordeaux, vous retournez. Tu m'étonnes. Le mec à la peau verte que tu cherchais, c'est celui qui est un fantôme dans ses contacts. Non, c'est parce que ça s'est volatilisé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le contact n'existe plus s'il garde pas une amitié, tu vois. J'ai l'impression que ça fait ça. Le 2, allez, Quentin, il a dit faire une activité ludique.
Alors, Pulko travaille vraiment dur à l'école en offrant quelques minutes de repos rapide à son cerveau. Il s'endort. Le bruit de l'énoncé posé sur son bureau le réveille un peu plus tard. Et c'est déjà l'heure du contrôle. Oh non, merci Quentin! Non, non, celui qui est mort, c'est Seth. C'est son papy. Et Pepper. Et là, il a rencontré Julien, qui m'a l'air un peu beau gosse quand même. Mais c'est pas. Nous, il nous faut une fille. Pour la reproduction, ça sera mieux quand même. Ah, bah il a re-rencontré Justine en fait. Il avait oublié qu'il l'avait. Ah, et Clément. Ouais, mais voilà. Mais Justine, il va falloir qu'on. Oh là là! Et Maxime. Ah, il a l'air moche lui par contre. Il a l'air méga, méga moche. Lui, il va payer les factures. Soit ça va. Tu vas inviter Justine. Voilà, tu vas inviter Justine. Ça, on va voir un peu à quoi elle ressemble. Tu vas prendre une douche, tu vas aller aux toilettes. Justine, elle va arriver. Et toi, mon petit, tu vas aller faire un gâtal. Un petit gâtal d'anniversaire. Un blanc, allez. Il n'y a pas de gâteau jaune. Alors, mademoiselle. Oh, les tristounes. Elle se dit, mais oui, mais là, il devient jeune adulte, moi, j'aurais pas le temps de le choper. Ouais, je sais pas. Elle est pas moche! Mais. Je suis pas emballée. Pas grave. Ah, la bichette, elle pleure. Tu vas lui demander comment s'est passée la journée, tu vas quand même discuter un peu avec, et puis. Voilà. Et tu vas évacuer le stress. Avec son bel ensemble Moschino là, magnifique. Et qu'est-ce qu'il est bien fringué, ça fait peur, ça fait peur. Non, elle est pas très très Jojo, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on se balade beaucoup dans les mondes, dans les parcs et tout le bordel pour. Oui, le gâteau. Bougie d'anniversaire. Comme ça, on pourra. Faire connaissance. J'ai cru qu'il allait le voir. Non, mais vas-y, je suis toujours discute avec elle. Présentation polie. Bon, il fait sa life. Salut Marie! Comment tu vas? Elle est pas mioche, mais elle est pas belle non plus. Non, c'est ça. Elle est pas vilaine, mais elle fait ordinaire. Oui. C'est le bordel dans les contacts. Il a personne, hein. Pulko, il connaît vraiment personne. Hein. Alors, il va être quoi, lui, au fait? Il aura validé quoi en qualité personnelle? La responsabilité? C'est tout? Même pas les bonnes manières. Est-ce que tu peux faire de la bonne. Oh, la tête qui fait. Est-ce que tu peux faire des bonnes manières avec cette jeune fille? Histoire de remonter ça, même si ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Demandez un pot de vin! Mais Bordeaux, mais ça va pas! Cela n'était pas prévu! Mais t'es grave! Qu'est-ce que tu demandes un pot de vin à une gamine? Non mais, hé, éloigne-toi! Tu vas appeler! On va aller faire un anniversaire, on va inviter les gens! Alors, j'espère que mon anniversaire va pas se transformer en fête costumée, hein! Parce que ça. J'arrive plus pour les bougies! Oui! Ouais, il clignote, donc on est obligé d'y aller! Faut juste un relooker. Non, j'aime pas sa forme de visage en fait. Il va avoir droit à un petit relooking. Oui. Bah ouais, il va passer à jeune homme. Je pense que oui. Je sélectionne bien fête d'anniversaire. Pull coco. On va inviter. Alors Bordeaux. Oh. Mais ici. Allez, Christophe, que c'est le tonton. Qui c'est qu'on va inviter avec. Oh, petit Jean-Pierre. La tatie. Ah, Quentin, il est devenu tout vieux. Quelle tristesse. On va essayer de choper Alice, Jonathan, Coquelicot. Et c'est vrai que leur gosse, on la connaît pas. Hein. La fille qu'elles ont eue toutes les deux, on la connaît pas. Il y en a, ils ont de ces looks. Magnifique. Oh, je pense que c'est bien là, on n'a pas besoin que. Attendez, on va prendre un casse-croûte pour Bordeaux, histoire qui. Voilà. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Elle est belle, elle.
Allez, on va prendre Anna deux bras et deux jambes et six têtes. On fait ça à la maison. Notre Sobéry. Voilà. On reconnaît la maison puisqu'elle a une fantastique fusée dans le jardin. Oh là là, regardez cette classe avec ce petit pantalon moulax. Se faire embêter. Non mais elle va se calmer là. Raconter une histoire drôle. Salut, Tati. Mais pourquoi? Il l'avait déjà rencontré? Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fait lui? Arrête avec le PC, viens parler à ta... Non, c'est la Tati hein, à lui. Oh là là, mais il y a trop de trucs. Se renseigner sur la carrière. Prendre une pause sexy. Tiens, maman, comment ça va? T'as pris un peu du cul, Macy, hein, et des nichons aussi, hein. Attention, hein. On te surveille, hein. Là, la belle... Non, c'est la Tati aussi, celle-ci. Mais tu connais personne, hein, c'est pas possible, cette histoire. Oh, regardez, il a son petit nœud pape. Qu'est-ce qu'il est choupi. Il est choupi-choupon. Voilà, tu vas parler aux gens? Tu seras agréable? Alors, employé à la ménagerie des mômes. Très bien, très bien, très bien. Vous pouvez rentrer, hein. C'est quoi ce conglomérat là dehors là? Raconter des ragots. Elle, on va la draguer. Et Jonathan. Ça va? Oh là là, le look, Jonathan, le pantalon rose. Non, Jonathan, il est pas dégueulasse, hein. C'est un beau garçon, hein, quand même, hein. Et Quentin! Il est là, Quentin! Il a un vrai coup de vieux, donc Quentin, il va bientôt claquer. Tiens, tu vas promouvoir la politique. Ça, c'est bien. Pulco-citron. Pulco-citron, il est stressé, hein. Tu vas remercier à tout le monde d'être là. Mais présente-toi, bon sang, je comprends pas là. Il se présente pas. C'est comme s'il connaissait personne. Remercier d'être là. Et bon, elle, on s'en fout, il a pas besoin de lui parler. Tati! Putain, mais ce coquelicot, comment elle est grosse. Oh, c'est impressionnant. Pourquoi il reste dehors comme ça, dit? Vous pouvez monter. Mais punaise! Coquelicot! Waouh! Elle est malveillante, c'est pour ça. Des costumes, des costumes. No way! Ah oui, elle est malveillante, j'ai pas fait attention. J'avoue. Ah! Comment ça va, cousin? Cousin, alors vous pouvez aller là, ça... rentrer quoi. Bon, ça va, il se sert tranquille dans les frigos ici, dis donc. Qu'est-ce qu'il fout à poil lui? Ça va réveiller les ardeurs de Bordeaux, hein. Ah, trop d'action. Oh là là, Coquelicot, elle a envie de... Regarde, elle passe à travers les murs et tout, là, elle a envie de tout casser. Comme d'habitude, avec un caractère aussi explosif que le sien. Oh là là, il y a trop de choses. Casser les pieds. Illuminer la journée. Mais tu vas sourire quand, Pulco, là, t'es casse-pieds? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va lui faire voir tout de suite, regarder où c'est pour son truc, là. Pour l'université, comme ça, si c'est bon, il sera content, il sera plus stressé. Parce que là, en plus, oui, il est solitaire. Hein. Bonjour. Ça va être sympa aussi. Hein. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Encore! Ah, c'est casse-couille! Je vous jure, hein. On va en passer 10 ans à attendre d'aller à l'université. Allez, va te détendre. Oui, maman, elle arrive, mais c'est pas grave. Alors, faut écouter la chaîne IFI à plusieurs Sims en même temps. Bon, elle se barre. Est-ce que tu peux écouter aussi? Écoutez, voilà, que c'en est à deux, à écouter. Voilà, alors, ça y est, ils ont mangé un gâteau. Ok. Jouer avec le Sims qui fête son anniversaire, ça c'est facile. On fait l'astuce, hein. Il suffit de faire jouer avec le téléphone et ça valide. Hein. SOS pour ASMS. On va au moins peut-être avoir la médaille. Oui, médaille d'argent! Oh, ça a dû vriller là, je sais pas si c'est dans le casque ça. J'ai déjà posé la question, du coup j'ai loupé la réponse, j'ai loupé beaucoup. Ben, t'as loupé 2 jours d'école et de machin. Et là, c'est l'anniversaire de Pulco, donc il va devenir jeune adulte. Voilà. Ça pue. Allez.
On va souffler les boujaks. On va souffler les bougies. Attendez, que je me cale bien pour prendre la photo. J'aime bien. Mais casse-toi avec ta main, toi, bouffonne. Cet amour pour les Sims est incroyable. Ah, oh, Quentin, il a vraiment pris un coup de vieux, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti! Bravo, Pulco! Wouhou! Voilà! Regardez comme tout le monde est content. Bordeaux, il n'a rien à foutre. Lui, il est à moitié à poil. Et elle a dit, Quentin, il est vraiment pas mal. Voilà. Il coquelicolait. Ah, c'est trop bien la vie. Voilà, Pulco a vieilli. Il sera donc en troisième trait. Donc j'aille voir. Jaune, maladroit, ambitieux et solitaire. Alors, donc ce sera ambitieux. Puisque oui, l'ambition devient quand on est jeune adulte. Ambitieux. Oui, c'est trois trucs jaunes. Bravo mon petit Pulco, 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 Pulco citron. Et tu vas appeler la table. Oula, attendez, je m'en sors plus avec mes touches. Voilà, happy birthday Pulco. Mais si, envoyez un cadeau. Nora, envoyez un cadeau. C'est qui Nora? David. Qui sont ces gens? C'est sympa d'envoyer un cadeau, hein, mais... Voilà, elle est morphale. Hein. Elle est morphale. T'inquiète. T'inquiète qu'ils sont là. Ils sont contents. Il y a du gâteau à bouffer. Voilà quoi. On est bien. Déjà, il grandit. Ben oui, ça y est. Hein, on l'avait dit la dernière fois qu'il allait devenir jeune adulte. Ça y est, il l'est. Il est devenu un homme. Oui, c'est ça. Moi, je fais des bandes pour que les autres Sims m'écoutent. Et que je pète pas un plomb avec trois Sims qui écoutent de la musique en même temps. Ah oui, c'est vrai. Bon anniversaire Pulco, bravo Pulco. Ils grandissent si vite. Ouais, bah en fait c'est vrai que les derniers lives qu'on a fait, on a beaucoup avancé quoi. On avait passé une bonne semaine je pense dernière fois. Ça va en faire de la vaisselle hein. Bordeaux s'il te plaît. Tu peux faire la vaisselle. Donc Macy, tu t'es toujours pas, tu l'as toujours pas remercié d'être venu. Ni à ta tante. Oh, il s'entend pas avec Coquelicot? Oh la vache. Un peu Alice, un petit peu. Aider avec Quentin. Voyons. Quelle entente magnifique dans la maison, dans la famille. Alors, le casse-dalle de Bordeaux, il est là. Hein, donc, tu vas la draguer direct. Offrir une rose. Hop. Amour. Draguer. Quand même! Qu'elle soit pas venue pour rien, la demoiselle. Enfin, là, elle est mariée, hein, mais... Oh, la coquine! Elle aime bien ça! Rrr. Allez, c'est super. Tu vas éminer la journée, demander de passer du temps ensemble avant qu'elle s'en aille. Salut tout le monde! Bientôt, à bientôt! À bientôt, c'était sympa que vous veniez bouffer le gâtal. Voilà, on la sait. Soul, à bientôt, hein. Pas de soucis, hein. Bon ben Bordeaux, Pulco, tu vas pouvoir nettoyer toi-même la vaisselle parce que ton père n'a nettoyé que la sienne. Voilà. Et là, elle va rester. Premier baiser direct, allez. Direct. Ça n'attend plus. Il deviendra un homme qu'après sa première galipette avec une fille. C'est ce que j'ai failli dire, maman grenouille, mais je voulais pas paraître impolie ou obsédée. Mais j'y ai pensé très fort. Bravo Bordeaux, une de plus sur ton tableau de chasse. C'est parfait, c'est très très bien. Pendant que lui va faire la vaisselle, invite à rester dormir, comme ça on pourra abuser d'elle plus d'une fois. Hein? On va faire ça dans la douche du coup. Dormir ici? Ah, génial! Non mais tu vas dormir où, cocotte? C'est pas dormir maintenant tout de suite, hein, c'est dormir dans la nuit. Mais tu peux pas faire ça dans la douche? Pourquoi c'est... Pourquoi? Pourquoi? C'est pas grave, tu vas faire ça dans le lit. Mais pourquoi? Les Sims, ils interdisent la... Comment ça s'appelle? La polygamie ou quoi, là? La tromperie? Rien, on peut pas. Elle a pas de sexe? Mademoiselle, vous m'avez caché que... Bah, elle a pas de sexe, mais elle a une bouche. Oh, je suis horrible! Je suis horrible. Mais vous pouvez pas faire ça sous la douche. Pourquoi on peut plus faire crac crac dans la fusée?
On peut toujours rien faire. Bon, bah, pulco citron, non, je vais le laisser aller se coucher. On verra demain si ça va mieux et qu'on puisse l'inscrire à l'université. Bon, c'est bon, faire cracra dans la fusée. Plus de choix. Ah bah voilà, maintenant on peut. Oh, et donc, il faut pas être pressé en fait, hein. Il faut le temps quand même que la température monte pour les Sims, hein, sinon ça marche pas. Pas assez d'amour entre eux. Pff, dès qu'il y a le premier baiser, logiquement tu peux, hein. Je tourne en rond dans mon jeu, j'ai demandé à mon mari de me créer deux Sims et de choisir l'aspiration et trait de carrière qu'il veut et je me lance un challenge à aller au bout. Verrez la trombone qu'ils ont. Ah, c'est marrant, c'est sympa cette histoire. En même temps, il était à bonne école, Pulco, avec son père, ce vrai ton père. C'est pas faux. Voilà, pour les indiscrets. T'as trop frais, crac, crac, c'est ça. Il a plus, Bordeaux, il a plus de jus, là. Il est essoré, le pauvre. Et non. Alors, madame, c'était bien. Que va en dire votre mari? Voilà, maintenant ils vont dans le lit, hein, comme ça ils pourront dormir. Ils pourront se reposer juste après. Pendant que petit Bordeaux, il fait dodo. Première mission, ce sera de le relooker. Ah bah voilà, elle a la bougeotte, hein. Alors d'accord, elle fait la sieste. Elle avait trop chaud sous la couette en fait. C'était la canicule avec Bordeaux. Ça n'allait plus. C'est fou comme c'est facile d'emballer qui que ce soit avec Bordeaux. C'est. Alors, madame? Elle est belle, hein? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle? C'est dommage, hein, qu'elle soit adulte et tout. Hein. Si vous avez une sœur, une fille, une sœur. Attends, attends. Mince, faudra que je regarde quand elle est réveillée avec le MC Command Center, savoir si elle a des enfants. Parce que si elle a une fille aussi belle qu'elle, il va falloir que Bordeaux il aille voir. Allez, va pisser, va manger. Oh là là, et puis tu retourneras dormir, non, parce que. Il est tôt. Ouais, c'est vrai que lui va taffer. Pulco, non, pas encore. Pulco citron! Bon appétit, Brodo. Sacré Brodo. Brodo de zéro. Alors, elle se lève. Alors, on va aller voir ça. Trois enfants! Elle a trois enfants, c'est quand même intéressant. Faudrait qu'on aille voir chez eux. Elle a besoin de faire pipi. Pour voir à peu près, hein. Tu vas manger et pipi, c'est mon petit? Pourquoi moi, tu dois faire à manger, il n'y a plus rien dans le frigal? Il y a quand même des trucs à manger dans le frigo, tu vas pas me faire dire le contraire. Ah ben non! Il reste des poivrons. On va aller loin avec ça. Servir le petit déj, toast avec œuf, allez. C'est pas mal, déjà, un petit déjeuner. Tout le merdier qu'il a, c'est impressionnant. Il y a des bananes plantées, quand même, dans son truc. Oh, la fête des récoltes, super. Et la dernière fois qu'on avait les fêtes de récoltes, je pense que c'était... On était encore à l'appartement avec Pepper. Et Bordeaux, il était tout petit. Je sais plus. Je vais peut-être oublier qu'il y en avait une entre-temps, hein, c'est possible. C'est très intéressant de devoir faire à manger. Mmh, j'en veux bien un petit peu, mon petit pulco. Un peu trop poivré, par contre, mon chouchou. Putain, à chaque fois que je fais à l'œil, je suis toujours en train de me gratter le nez. Ça commence à être chiant, en fait. Je vous jure, le reste du temps, je suis pas comme ça. Hein. Ouais, enfin bref. C'était Shirley, vie ma vie de Shirley. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. J'ai bien mis... Ah bah non, j'ai mon plat qui se balade au bout de ma souris. Non, c'est dedans, c'est bon. C'est juste un... Il y a juste un bug. Alors, Pulco citron. Comment vas-tu? Oh, bah il y a tout qui va bien. Oh, il pense à sa maman. Oh, chez moignon. Le courrier t'est distribué. Super, c'est des cadales. Va chercher les... Oh, université. Non, toujours pas. Prendre le courrier. Peut-être que si, peut-être qu'on a reçu notre lettre. Oh, vous imaginez? Suspense.
Lettre d'admission! Lettre d'admission! Poil au fion! Alors, est-ce qu'on va voir? Diplôme prestigieux? Oui! Mais c'est-à-dire qu'on y a droit ou pas? Parce qu'en fait, moi j'ai dit, mais je sais même pas si on peut avoir l'astronomie, l'astronaute dans le truc. Bon bref. On a été admis, donc ça c'est trop du cool. Université. S'inscrire. Ah bah voilà. Consulter. On va consulter, normalement c'est bon, hein, mais après on va s'inscrire parce que c'est bon. On a été reçu, poil au fût. C'est juste pour voir si je peux. Si on peut faire. Cursus prestigieux, parce que pour l'instant. Futur rhume. Non, non, c'est juste. Je sais pas, ça gratte. Non, non, j'ai pas envie de me retaper un rhume, j'en ai marre de me taper des rhumes tous les mois. Lettre d'admission, poil au fion. J'ai dit ça? Non, quand même. Il y a sûrement un abonné qui veut t'embrasser. non, il faut pas les enfants, il faut pas. Laissez-moi dans mon malheur. Donc je pense qu'il a droit à un diplôme prestigieux. Ça c'est cool. Allez, tu t'inscris mon petit chou. Inscrit! 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 Dex! Je crois que mon chat il a faim. T'es chiant, dis, je suis en live là. Je l'aime mon chat. Allez, Pulco! Pulco! Alors. Ah oui, mais en fait, on sait. Attendez, mais moi je sais plus. Bon, je vais voir. Alors, Brightchester. Art dramatique. Eh ben non, je peux pas avoir. Je peux pas avoir. Ah si, je peux! Oh, il a droit à un truc prestigieux! Oh, c'est trop cool! Alors, je sais plus moi, comment ça. Pour devenir astronaute. Je vais regarder tout ce qui est. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit des gens des trucs comme ça, non? Économie, je ne pense pas. Histoire, je ne pense pas non plus. Infamie, je ne pense pas. Donc ce sera pas là. C'est un diplôme de jeu de cette université, votre sim n'a pas les compétences suffisantes. Pourquoi il y en a que j'ai quand même droit à certains, mais pas à tous? C'est un truc que j'arrive pas à piger quand même. Hein. Alors, Foxbury. Art dramatique. Non. Art culinaire. Non. Beaux-arts. Biologie. Biologie, médecin. Non. Peut-être qu'en fait, on pourra même pas le faire. Hein. Je sais pas du tout s'il y a le diplôme qui va avec. Ok, histoire. J'ai pas l'impression. C'est trop nul. Méchant patron. Ah si, trafiquant interstellaire! Ouais, mais c'est dans la. C'est quand même pas cool en fait. Je préfère être dans la branche qui est sympa. Pas trop le choix. Langue et littérature. Ok. Physique. Ah, peut-être là. Ingénieur, mais. Ranger de l'espace! Comme ça, il s'appellera Buzz l'éclair. Haha! Psychologie. Et en plus, c'est un prestigieux. Ah, je suis contente! De joie comme de colère. Mais sérieux, j'ai dit ça, je fais même pas gaffe à ce que je dis. Tous les abonnés veulent l'embrasser, gros bisous baveux. Bleh! Regarde, ça me gratte encore plus. Foxberry, je pense que c'est mieux pour lui. Bah écoute, il y a moyen, ouais. Je suis pris un fou rire avec un épisode d'étiquette, ça ne m'était jamais pendant une vidéo. C'était quel épisode, Angel? Parce que oui, il y en a beaucoup qui sont nawak et puis il y en a où je m'énerve. Et du coup, ça fait beaucoup rire. Infamie, tu avais trafiquant interstellaire. Bravo Pulco, c'est bien le fils de Messi, ça, genre. Donc on prend plus le ranger de l'espace, c'est quand même plus cool, hein, les enfants, on est d'accord. J'ai un chat qui a faim, je vais devoir faire une pause. Moi je pense qu'on est bien avec ranger de l'espace. Après, comme j'ai qu'un seul Sims à m'occuper, je pense que je vais prendre pas mal de cours. Pour aller plus vite et que ça évite qu'ils sortent à 45 ans en fait. Deux, on avait fait trois cours en fait avec le let's play découverte. Donc je pense en prendre quatre. Honnêtement, je pense en prendre quatre, je pense que je pourrais m'en sortir. Il est tout seul. Bordeaux, bah il ira au taf. Enfin, je veux dire, j'aurai rien à faire de spécial. J'ai que deux Sims à m'occuper. Donc je pense que je vais vraiment taper dans les quatre cours. Bah oui, c'est plus mieux. La plus mieux du monde. Non! C'est Bordeaux le meilleur. Oui? Allez, on fait quatre cours, ça va être chaud. Aimant et mécanique, rien d'irréparable, expérience avec l'énergie, robotique analogique dans monde numérique. Bon après,
Il n'aura pas le temps de faire beaucoup monter ses compétences, mais il aura une carrière où il sera à un niveau de ouf. Du coup, après, une fois que quand il sortira à 40-50 ans de l'université, bon, je ferai les compétences. C'est n'importe quoi. Mais en plus, ça colle avec sa personnalité, je trouve le type à fond dans ses études. Dex ou Tyrion? Bah, c'est Dex hein, qui réclame, parce que Tyrion, il a toujours des croquettes à volonté, donc. Quoique depuis hier, il a pu faire le petit. Bon. On va lancer, on va bien sûr faire au domicile, hein. C'était pas. On peut pas aller campus en faisant une fusée et tout le machin. Donc non, on va rester à domicile parce qu'il y a Bordeaux aussi à s'occuper. Écoutez, c'est parti! Oh, il y a des inscrits à l'université! Je suis contente! Quatre cours, ça va être très rapide. Bah tant mieux, c'est pour ça! C'est pour ça que j'aime bien me dire que si je prends quatre cours avec lui, ça va être hard, parce que ça va être quelque chose de. Voilà, hein. Mais comme ça, il aura plus vite ses trucs. En espérant faire connaissance d'une jolie jeune fille, bien mignonne et bien foutue et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des enfants. Un épisode où tu as dit. Mais laissez mes putains de 6 s'occuper de même de leur progéniture parce qu'il y avait une invitée qui restait dans le berceau, mais elle, j'en pouvais plus. Ah oui, je me souviens, oui. Je m'en souviens. Bon, allez, on est reparti. Alors, il a cours dans 20 heures, 2 jours et 3 jours. Forcément, il va faire celui-là avant. Il aura une disserte, un examen, une présentation et un examen. Donc, ça va être chaud, chaud, mais c'est bien. On va le laisser faire ça. Je vais aller le. Tu vas. Ouais, changer le sim. On va te relooker, mon petit. Ouais, il est content, regardez! Sims particulièrement prestigieux. Oh, je suis trop fière. C'est le premier Sims que j'ai qui a droit à un truc prestigieux. Hein. Je vous le dis, hein. Il est content, il est tout heureux. Alors, on va pouvoir le relooker. Il avait deux tenues. Je vais lui mettre un peu plus de barbouze, hein, quand même. Parce que c'est devenu un homme. Oh là là. Oh le beau. Oh le beau. Non. Non, ça fait non. Non. Ça, c'est mieux déjà. Mais ça sera plus tard, ça. Ça, ce sera plus tard. Oh ouais, aïe, ça lui va bien, la barbe. Hein. Ça lui va bien, la barbe. J'aime bien celle-là plus celle-là. Ça lui souligne son contour, là. C'est très joli. Plus tard. Pour commencer, on va mettre celle-là. Un hipster. Non, on va lui mettre ça. Voilà, il a des walpes maintenant, c'est un homme. On va lui changer peut-être les sourcils. Je crois que j'avais déjà le même souci la dernière fois. C'est pour ça que j'avais mis ça. Je vais pas lui rechanger toutes les tenues, hein. Juste quelque chose. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Non. Parce qu'en fait, ça y a très vite l'accent. Ça fait très vite accent circonflexe et je trouve ça pas très très joli. Ça. Non, ça c'est pas mal. Les cheveux. Ça c'est son père. Regardez, on a juste à changer la couleur. Bon, c'est la même. Mais vous voyez la ressemblance quoi. Bon là, il se fait un peu vieux. Hein. Regardez, il a des cernes et tout, il a des rides, mais. Hey, il ressemble à son daron quand même. Hein. Alors, on va mettre le jaune pipi, hein, parce que quand même. Celle de saison. De coupe de cheveux? Non, il faut pas rater les dissertations et les présentations, c'est faire les devoirs normalement, tout ça va bien. Non, non, mais t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut, t'inquiète. Je préférais les autres. Allô? Coucou Hop, comment tu vas? On est en train de relooker le petit Pulco qui est devenu jeune homme. Et là, il va aller s'inscrire à l'université. J'aime bien le côté un peu rasé, ça fait. Mais ça va pas avec ses sourcils. Ça vous change un homme. Non, les sourcils, ça va pas, ils sont trop gros en fait. Les cheveux longs. Oh oui, j'aime les cheveux longs. Là, par contre. Moi, il me plaît, de ouf. Il me plaît de ouf. Ah, c'est pas mal ça! Ça lui va bien! C'est vrai qu'il est pas moche pour un blond, pour un jaune pipi même, je dirais. Bon app, Quentin.
Regardez-moi cette coupe de cheveux de ouf. Il est beau, hein? Il est beau gosse, hein? Ah non, je préfère celle-là. Je trouve qu'il a peut-être la bouche un peu haute. Est-ce que je peux la baisser? C'est... Aïe, 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 aïe. Je valide. Je valide. Allez, on... Ah ouais, non, ça... Eh, ça change de ouf! Waouh! Alors, il avait quoi comme tenue? Ouais, non, celle-là, elle ressemble vraiment à rien. Faut pas être méchante, mais elle ressemble à rien. Alors, on va mettre du jaune et du blanc. Voilà, un petit cardigan comme ça. Ouh, avec les petites chaînes en or qui brillent. C'est des trucs de magie. Magnifique. Magnifique. Au final, il y a beaucoup de blanc. Ah, mais voilà ce qu'il faut. Le digne fils de son père, regardez, avec le pantalon, ça lui va merveilleusement bien. Ça fait tellement coin sauce. Oh, c'est... Waouh. Et c'est pas le truc de son père, ça? Si. Ah, trop drôle. C'est trop drôle. Ah non, ça fait pyjama. Ça, c'est son pyjama, justement. Il n'y a pas trop de choses en jaune, je trouve. Ah. Ah oui, ben non, j'étais pas tout en haut, moi aussi. Oh là là, mais Shirley, qu'est-ce que tu fais? Alors ça, c'est... Oui, il y a du blanc. C'est pas très jaune. Ça, c'est... Il a déjà cette tenue, là. Ouais, je vois. Je suis pas très très fan. Non, ça fait débrailler. C'était quand même un jeune homme qui a envie d'impressionner. Il va à l'université, vous voyez. Un juste au corps. Ça lui va bien, le petit juste au corps. Oh, ça. Ouais, non, ça fait trop... Je suis en vacances. Ouais, y a vraiment pas grand-chose, en fait. Allez, j'aime bien ça, et dans ce cas-là, on va lui foutre un pantalon jaune. On va inverser les couleurs jaune. Allez, on va choisir que jaune. Parce que je trouve que ça passe. Un truc un peu plus vil quand même, ça c'est moche. Ah, ben ça c'est bien. C'est un truc université, donc c'est bien. Mais celui-là aussi. Non, non, celui-là, j'aime bien. Moschino. Ouais, non, mais Moschino. C'est pas mal. C'est pas mal. En jaune un peu plus clair ou en blanc. Ou on va les changer en blanc. Ouais, voilà, on va faire ça. Cette tenue-là n'est pas dégueu. Je trouve que ça lui va super bien, en fait. Je suis pas sûre de changer celle-ci. Le pull de chien et chat. J'aime pas du tout ce haut des os. Le haut que j'ai mis là? Bah écoute, si j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais j'ai le nez qui... Ah, faut que j'arrête. Pas possible. Le chien et chat? Putain, parce que comme en plus ils ont mis... ça, c'est tout la même couleur. Faut se concentrer x15 pour reconnaître le truc, quoi. Ça? Ça. C'est quoi? Je vais finir par faire par pack parce que là... C'est pas fameux, hein? Salut Caro! Ça va bien et toi? J'ai un problème avec la chaîne. On la voit pas, c'est le côté jaune du... Voilà, regardez beau gosse. Ah non, il est BG, il est BG. Est-ce qu'en pantalon, tu peux avoir un truc... Alors, un peu plus jaune, et puis ouais, université... Ouais, c'est à la fac, moi j'ai l'habitude de dire université. Oh, le petit short, moi oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. Il va où déjà? C'est quelle université auquel il va aller? Je sais même plus. Bah non, c'est pas très joli.
C'est pas très joli. Ah non, c'est moche. Mais non. Ça y est, bon, allez. Tu vas garder celui que t'avais. C'est très bien comme ça. Voilà. Ah, peut-être le haut un peu plus jaune. Je suis déjà en sélection jaune, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, on est d'accord. Si j'enlève le blanc. Bon, ça, c'est bien. C'est bien. Allez! Oh là là, oh qu'il est beau. Il est beau le lavabo, hein. Ouh. On va peut-être changer son pige aussi, parce que je me dis que s'il a une demoiselle, faut pas qu'il se tape trop la honte. Voilà. En fait, il est parfait. Avec son petit nœud pape. Oh, le petit slipos. Non, le slip, on le change aussi, c'est pas possible. Le slip, c'est pas possible, on va le changer. On va mettre ça, c'est déjà un peu plus classe. Ah, c'est sa tenue d'été. Ouais, ça fait très ado, hein. Je suis pas très fan. Donc on va changer au final. C'est bien comme son relook aussi. Regardez. Comme son père. On voit presque les pecs. Et en hiver, bah, ça lui va très très bien. Bon, bah nickel. Pulco et relookek. Jaune tu... Mais oui! Et c'est comme ça, hein. Ils seront tous lookés avec, avec la couleur de leur génération. C'est pas une obligation, mais je trouvais que j'aime bien. Moi, comme ça, c'est fait. Alors, nous allons commencer nos devoirs. Va falloir changer sa chambre aussi. On fera pas ça maintenant. Peut-être après. Parce que, bon, il faut quand même... Celui-là, les trucs de bébé... Et oui, c'est vrai qu'il a gardé ses trucs de bébé, même en étant ado. Il y a maintenant que je m'en rends compte. D'accord. Alors, rien d'irréparable. Tu vas faire tes devoirs. Rien d'irréparable. Tac. Voilà. Parce que c'est les premiers cours que tu vas avoir. 9h30. Voilà, puis comme ça, on va lui installer une belle chambre avec un beau bureau. Lui, et toi, tu fais quoi? Ah, il travaille pas! Non! Répare pas! Pourquoi tu fais ça? Vas-y, manifeste dans ton salon. Ah, oh, j'en peux plus. Une fatigue. Faut toujours qu'il répare quand il n'y a pas besoin de réparer. C'est aimant et mécanique qu'il aurait dû faire. Je suis un peu bête. Non, mais si, on va pas se taper un chargement. Hein. T'as qu'à venir à la maison plutôt. Tu as osé lui enlever le moule-bite. Bah, attends, et... Non, quand même. Il faut avoir du goût au bout d'un moment. Vive les slips chelous des Sims, c'est ça. En même temps, le slip, c'est le meilleur emballage pour savoir ce que t'achètes. C'est vrai. Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il va pleurer? Message inaperçu. Mais il est tristoun parce qu'il avait personne dans son salon. J'en peux plus. Sais pas, ça discute. Alors, non, 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 tu parles pas à ton père. Je t'ai dit non. Ok, on va refaire du coup aimant et mécanique. Qui c'est qui bugle comme ça là? C'est pas possible, même avec mon casque, j'entends tout. Il est parti pleurer. Il est parti pleurer dans le placard, mais j'en peux plus. Arrête, Bordeaux! Arrête! Laisse ton fils travailler! Oh! L'université. Et regardez, la lampe, c'est une lampe ovni ou pas, non? Ou c'est moi? Ou c'est peut-être peut-être que ça s'appelle comme ça, hein. J'ai pas fait attention, moi. Oh, eh. Franchement, ça va, il est beau gosse. Il suffisait de bien le looker et puis il fait beau gosse, quoi. Il est beau gosse, quand même, non? On va aller trouver une belle femme. Qui saura attraper son cœur et en prendre soin. Pas comme son père qui fut un bourreau des cœurs et quelqu'un complètement instable dans ce domaine. Eh bien, mon petit. Après, si t'as du temps à perdre,
On a déjà fait ça. C'est bien. Je pense qu'il va avoir, il va être parfait ce garçon. Il va avoir fait ses devoirs, c'est très bien. Regardez, il est encore tout bien comme il faut. On pourrait même continuer, mais je vais pas faire ça. Je vais. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire que l'autre, c'est bon. Tu vas aller réparer ça après, parce qu'il faut que tu fasses ça dans ta, dans ton aspiration, réparer ou améliorer un objet. Ça, c'est validé, c'est facile. Fabriquer trucs d'ébéniste. Non, 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 mais... Non, 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 non. Allez, tu viens là, là. Tu viens fabriquer des trucs. Allez, dépêche-toi. Oh, toi, je t'ai vu avec ton verre d'eau, hein. Toi, je t'ai vu avec ton verre d'eau, hein. Commence pas à me casser les burnes. Et après, t'iras faire des longueurs. Énergique. Énergétique, je sais pas, je m'en fous. Voilà, comme ça, on bosse un petit peu. Le bricolage, c'est dans son aspiration, il faut faire quelque chose. Et en plus, de toute façon, il faut arriver au niveau 10 du bricolage. Donc, comme ça, on est bien. Il change de bureau pour chaque devoir. Mais oui! Il faut que j'en achète deux de plus. Sinon, il y a encore la table de la salle à manger. C'est moi, il devient pot de colle en vieillissant, Bordeaux avec son fils. J'ai l'impression, oui. Il se sent seul, en fait. Il n'y a plus ses parents et tout. Je sais pas, il a... J'adore en accélérer, ça fait... Ça fait comme un poisson rouge. En plus, comme il est rouge, un poisson rouge dans son bocal. Hii! Ah bah non. Il a besoin d'aller pipi. Il va pisser, t'as raison. Voilà, et atteindre le niveau 6 à compétence logique. C'est très bien. Alors, et t'as cours demain à quelle heure? À 8 h! Oui, donc on pourra pas trop le coucher tard, parce que sinon il va être décalqué. Donc je lui fais faire ça. Et donc on va arriver au niveau 6 du bricolage. Mais, Bordeaux! Vas-y, fais du poisson frit. Allez. Va faire du poisson. Ton fils, il va avoir faim. Ton fils, il faut des choses de bien pour nourrir sa cervelle et il va à l'université avec un diplôme prestigieux quand même. Il peut ou doit avoir combien d'enfants? Je crois qu'il n'y a pas de limite dans cette la truc d'après. J'aime comme traînent les pieds quand tu leur demandes de faire la vaisselle ou du sport, à quelle vitesse ils disparaissent quand tu oublies de leur assigner une tâche. C'est ça. Tu vas pas mettre la table, il est mignon. Non, vas-y, mange. Mais j'ai dit pas de mettre la table. Oh! En plus, t'en as oublié une. Ah non, non, c'est bon, il l'a fait. Faut qu'il s'assoie en fait pour mettre la table. Il est obligé de s'asseoir. Il met. Alors, comme ça, t'as une meilleure vue hein, de ce que tu fais. Et puis après, voilà. Maintenant, vous pouvez discuter. Maintenant, c'est ok. Se renseigner sur les projets d'avenir. Tu veux faire quoi, mon fils? Je veux devenir astronaute! Parce que mamie, quand elle parlait des aliens, et bah, c'était trop cool. J'ai trop envie d'aller les rencontrer, moi aussi. Je vais jouer aux Sims en même temps, mais comme dame, Marie. Ah, c'est pas vrai. Going to Burnoy. Et il est beau She's gosse, hein. Je looking suis nice. contente, mais regardez-moi ces hommes. Comme quoi, il Well, suffit d'un going petit to relooking et Burnoy. puis ça vous change un homme, hein. Ce Grumpen. parrain, hein, Bordeaux, il était Oh, mignon Lucy, sans you're plus, so et en relookant comme ça, gallant. ce fut waouh, une Since you and révélation. your bureau been a Et couple. bah, bon, Pulco, pantin. Or, Pourtant, il était mal barré, hein. Nurchel. Il était mal barré. Lumacumonuage. Justement, j'allais leur faire des grimaces. Comment s'est passée la journée? Voilà, vous êtes contents, ça vous allez insulter. Drôle. Et faire des grimaces. Ah, les beaux gosses. Préviens-nous quand tu joueras pas pendant un live. C'est ça! C'est bien, t'apprends la comédie. Eh, vas-y, parle plutôt de trucs logiques et tout, là. Ce sera plus intéressant pour toi. Discuter d'énigmes logiques, voilà. Ce sera quand même plus intéressant, au moins tu remontes beaucoup de choses, dont ta logique, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les énigmes logiques, faut que t'en parles comme ça. J'ai vu qu'il y avait une interaction aussi pour le bricolage. Donc je vais le faire. Donner des astuces de réparation. Ça fera augmenter aussi. Bah, beaucoup, mais ça fera augmenter. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont besoin de se lever?
Allez, tu vas te laver, tu vas dormir. Oh, il est minuit. Tu vas dormir tout court. T'as cours demain à 8h. Ouh, merci Cosmog pour le follow. Bienvenue à toi. Tiens, si tu veux, tu peux jeter ça. Oh, les beaux poissons. Bah, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller courir. Ça t'occupera 5 minutes. Enfin, de toute façon, avec Strangerville, tu cours même pas 2 secondes que t'es déjà arrêté ton footing. J'ai le nez qui gratte de ouf. Ah, une voix zinzin. Salut, voix zinzin. Cette fois-ci, il court. Il court le Bordeaux, il va chercher le cadre. Inaninaninana, il n'y a pas de voisin par là. Où ça? Il court le Bordeaux et il cherche des petits pots. J'ai dit de la merde, moi. Au moins, il aura fait son footing. Qui c'est quoi? Oh là là, puis il fait du bruit chelou en plus, regardez-moi ça. Voisin! Voisin, voisin! Oh, j'ai vu ses yeux. Moi, je les croise en pleine nuit. J'adore, putain. Je vous fais le coup à chaque fois, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est con. Ah, ça me fait... C'est rigolo. C'est rigolax. Allez, au Libordo. Et petit pulco. Enfin, grand pulco, maintenant. Non, je vais faire ça. Je vais regarder. Je vais jeter un oeil sur ses cours. Ah, bah, c'est bien. Ça a fumé dans le couloir, en plus. Ça pue la clope chez moi, maintenant. C'est génial. Jour du semestre restant, oui. Alors, du coup, il a cours jeudi. Il a combien? 2 cours le jeudi. D'accord, c'est pas forcément 2 et 2. Hein. Ouais, c'est un peu spécial. C'est la fête des récoltes, c'est pas grave, tu iras en cours quand même. Je te le dis direct. À 7h, alors. Début du semestre. Oui. Début du semestre, je vais mettre ça. Il va se laver. Tonifiante. Tout beau, tout neuf. Après, on te fera une nouvelle chambre, t'inquiète. Et tu vas regarder la télé pour te distraire. Monsieur. Allez, il est tout content. Et Bordeaux est déjà levé aussi. Allez, une bonne journée commence. Oh, il fait tout seul sa vie. Hein. Il fait des mises à jour. Déjà? Écoute. Non, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh! Il va en cours pour la première fois. Oh, je suis toute émue. Pourquoi t'as plus ton calepin? Il y a déjà le machin. Tu vas écouter, bien sûr, activement. Parce que quand même, ce serait dommage. Et Bordeaux, bah Bordeaux, fais ta vie. Fais ta vie pendant ce temps-là. Tu veux une bougie qui s'enfonce dans la... Pff, bah j'en ai déjà plein. Les voisins, ça faisait longtemps, bah ça fait depuis la dernière fois qu'on a joué à Onotoberry. J'imagine faire un apéro avec ceux-là autour de la table. Et est-ce qu'il a encore cours après? Jeudi. Ah ouais, on a celui-là. J'ai pas fait les devoirs. Je suis nulle! Expérience avec l'énergie, d'accord. Donc dès qu'il rentre, il fera l'expérience avec l'énergie. J'espère qu'il aura son truc. Hein. Oh, les gnomes à la mort, moi la bite, là. Pardon. Énergie. Voilà. Tu vas faire tes devoirs direct, parce que j'ai oublié de te faire bosser cela à la place. À 13h30, tu retournes en cours. Ah, mais ça, je vais être tellement focus sur lui, ça va être intense. Hein. Il va pas avoir le temps de faire beaucoup de choses avec 4 cours. Aïe, aïe, aïe. On m'a dit, non, tu t'en sortiras pas avec 4 cours. Voilà. On verra comment ça se passe. Allez, dépêche, t'as cours dans 3 heures. Mais travaille. Travaille. Ah, j'ai vu Bordeaux, j'ai fait... Il va venir emmerder son monde, il va venir parler. Punaise, je vous jure, je m'attendais à râler encore une fois. Ah, tu sais, toi, tu vas aller courir. Ah non, va au boulot, t'as raison. Va au boulot après. Oh, même tout de suite. Ça, je suis tranquille, tu vas pas m'enquiquiner.
Lui, il part bosser, c'est très bien. Et toi, 50%, hein. Il a cours à 13h30. Et il a faim. C'est bon, il va avoir le temps de manger une banane plantain et un raisin. Ça va lui remonter. Puis t'iras faire pipi aussi. Tout un projet. Allez. Tu es presque. Pourquoi ils te mettent ici que c'est bon et là ils te mettent 75%? Ça ne va pas du tout. Alors, aider un collègue. L'un des collègues de Bordeaux a besoin d'aide pour une tâche. Que doit-il faire? Apporter son aide, modifier. Non, toute l'équipe, c'est. Nous sommes un président. Je suis paumée. C'est ici, pourquoi il dit pas? Ok, va pisser. Avec You, tu dois y aller dans 2 minutes! Ne te lave pas les... Va en cours. Parce que si tu loupes un cours, t'as une mauvaise note, quoi. Alors, tu vas écouter activement aussi. Arrête le JF. Le JF? Jour férié! Non, c'est pas grave, je m'en fiche. Tu vois, je m'en occupe pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas un souci. Re-Quentin! Du coup, là, il y aura que ses devoirs, les devoirs là. Et puis, re ici. Puis, le week-end, il commencera à faire toutes ces conneries. C'est quand même dissert et présentation. On va y arriver, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va être bien. Jeudi. Ouais, on va faire la journée de vendredi, puis on s'arrêtera là. Célébrité, une étoile. Oh bah il va être content. Bah en fait, non, il l'est pas. Tu vas être calmé. Allez, tu vas te calmer direct. Lui, il est joueur. Alors, mon petit Pulco, tu es beau. Tu es beau garçon. Alors, cours dans 24 heures. Donc, celui-ci, c'est sur robotique analogique. 19h, lui, il a déjà fait les cours. Donc, il va faire robotique analogique. Il a besoin de se détendre, le choupouille. Alors, tu vas regarder vite fait la télé, mais vraiment pas grand, pas beaucoup. Et truc analogique. Attendez, je sais déjà plus. Mais regarde la télé, j'ai dit! Gaston! Ça, robotique analogique dans un monde numérique. Mais si, rien, j'ai bugué. Voilà, tu feras ça après. Ça t'a pas calmé? Tu reprends une douche. Ah non, mais c'est bon là, il est ta dame. Ça y est, il va mieux. C'est bien! T'as cassé la douche, c'est génial! Tiens, tu peux aller faire à manger. Préparer un grand repas. Allez, au moins on va faire ça, un dîner avec du jambon. Il ira réparer après Bordeaux, Pulco, c'est pas un souci. Bon, c'est bon, allez, t'as regardé, tu as fait tes devoirs maintenant. Allez, tu te dépêches, plus vite que ça. Après, t'iras réparer. Niveau 7 de compétences cuisine pour Bordeaux, quand même. Hein. Il est furieux, Bordeaux. Ouais, mais c'est les humeurs hein, de la génération rouge, hein. On est habitué. Ils se prennent la tête quand ils se battaient, quand ils étaient gosses, vous vous souvenez, quand ils se pouvaient pas se piffrer, là, dans la chambre, qu'ils s'étaient gueulés, ils se gueulaient l'un sur l'autre. C'était le bon vieux temps. Bon vieux temps, je pouvais faire des lives sur YouTube aussi. Et non, on va pas devenir chef. Hein. On est président des Sims, nous. S'il te plaît, quoi. Allez, toi, tu vas, voilà, va faire tes trucs. Les petits gnomes qui arrivent là. C'est bien mon pull coco. 50%. 75%. Prochain cours de ça, c'est le mardi, donc on aura le temps. Non, c'est cool, c'est cool. Et voilà! Qui a dit que c'était compliqué? Franchement. Bah, si tu vas annoncer le grand repas. Comme ça, c'est fait. Comme ça, ils vont valider au moins un truc. Elle est où la boîte à camembert là? La boîte à truc mûche.
Je l'avais foutu quelque part, non? C'est pas la boîte à camembert, c'est la boîte à décoration de la maison. Je l'ai peut-être pas dans le... Dans le truc de la maison. Bah tiens, tant que je vais faire ça, on va refaire la chambre. Peut-être dans la... Voilà, elle est là. Je vais la mettre là. On va refaire la chambre de Choupi. Hop. Ça, on garde des trucs hein, quand même. Les cubes, on va peut-être les virer. Hein, parce que... Hop. Ça, c'est un truc extraterrestre de sa grand-mère, donc on va le garder. Bon, le papier peint, on va changer quand même. On n'est pas des monstres. On va mettre un jaune clair pour illuminer. Voilà, c'est très bien. Ça, on va le jarter. Par contre, on le supprime. Hein. Ça, on va le supprimer aussi. On va mettre un truc digne de ce nom. Ah, ça, c'est bien. Pas très compliqué. Alors, on va mettre en espèce de doré. Alors, il a beaucoup de merdou. Hein? Beaucoup de merdou. Je sais pas comment je vais faire pour caser tout ça. Un lit. Nous avons un lit, il me semble. Hein, encore, c'était le lit de Coquelicot. Le lit double. Alors, il n'y a pas vraiment de lit jaune. Donc on le vire, c'est pas grave. Oh, 2800! Ah oui, c'est pour ça que je l'avais gardé, vu le prix. J'étais pas enquiquiné. Alors, filtré par couleur. Jaune! Et on va mettre du blanc aussi, parce que... Voilà, le jaune c'est pas quand même. C'est quand même pas facile, hein? Puis il doit pas en avoir 15 000. Super! Effectivement. Ah, il y a celui-là! C'est pas très. Pas très joli comme jaune. Celui-là il fait pas très ado. Pourquoi ma fenêtre elle a sauté là? Ah, nom, ouais. Oh, il y a un petit lit d'université. Oh, il fait un peu pompeux. Oh, je vais lui mettre ça. Non, mais université, ouais. Il fait un peu pompeux sur les bords, mais ça passe, hein. C'est pas mal. On va lui mettre un petit bural. Histoire d'eux. Je sais, ça va en vénère plus bien, hein, si je dis bural. Salut, Céline! En fait, qu'est-ce que vous vous offrez pour Noël? Pff, rien. Rien du tout. Je ne mérite pas de cadelle. Papa Croce, putain. Ça, à cause d'un dessin de ces morts-là? C'est vrai que j'ai pas mis le bébé Move Objects. Hein. Ah, je suis pas sûre que... Je crois que le... J'avais mis un truc comme ça. Bon, je vais prendre toutes ces merdes-là. Oh... Oh, mais casse... Casse bonbon, les Sims. Casse bonbon. Mais c'est pas vrai! Quand on dit que le bébé Move Object, c'est la vie, c'est franchement sans exagération. Hein. On peut rien mettre! Mais la blague. Hop. Truc, il est à 10 000 km du mur. Oh, ça me tue. On va mettre ça là. S'en fout, il est adulte maintenant. Mais bon, c'est ses trucs d'enfant. Voilà, on va les donner à Bordeaux. Il est content, Bordeaux. Il fait ah, mon fils, quel artiste! Voilà. Ça, ce sera un peu moins débile. Bon, on va pas tout enlever, hein. Les Pokémon là. Bon, c'est pas mal. Une chaise. Pour choisir la complication. Je suis vachement douée. Tac. Elle est où? Elle est là. Bien sûr, jaune et blanche. On n'est pas sur quelque chose de classe, quand même. Regardez-moi cette nouvelle chambre. Enfin, on voit rien là. Sans la grille, c'est plus joli. C'est une chambre de jeune homme. Voilà, on est content. Ce sera le lit de Pulco Citron. Oh, un esprit de petit minou qui s'en va. C'est bien, il y a des manches, ils vont être contents. Qu'est-ce que tu vas...
Il est en train de s'attribuer. Alors, moi je dors là, donc je pose mes fesses pour marquer que c'est mon territoire. Il est devenu fan de son fils, c'est ça. Chez moi, Noël, ils sont gâtés les enfants. Je retrouve plus ton adresse. Bah, c'est dommage, Martial. Surtout qu'il y a un endroit où t'es sûr de la retrouver. Dans le bottin, peut-être, j'en sais rien. J'ai pas de téléphone. Ouais, un paquet de cadeaux à faire. Il correspond bien, je trouve, à sa nouvelle chambre. Bah oui, je trouve que c'est bien, ça lui va bien. Puis j'ai pas encore utilisé les lits de l'université, donc. Oui, il est un peu prout-prout le lit, mais c'est pas mal. Bon, et bah écoute, il est 20h30. Voilà, il valide un truc. Tu vas me nettoyer ça, s'il te plaît? Ah, j'ai oublié de remettre le. Mais c'est pas le tapis que je voulais, Jean-Claude. Pourquoi maintenant ils nous font des tapis qui bougent? Je vais jamais m'en remettre. Tiens, on va le mettre dans son inventaire. Comme ça, ce sera un honneur à sa grand-mère. Tu vas bidouiller un peu sur ta. Non, tu vas faire ça. Bidouiller sur ta fusée, un peu. Pas trop trop tard. T'as à quelle heure t'as cours demain? On est jeudi, donc vendredi, la cour à 9h30 et à 15h. C'est bien? Comme ça, prochain stream, on commencera le week-end, donc il commencera à bosser sur sa dissertation, sa présentation pour les cours, et aussi ses compétences et tout ça. Donc c'est bien, c'est pas mal, on va bien avancer quoi. Ah, tu m'étonnes, Bubu. Bien du courage. T'es pas dit bonjour, je crois, Bubu. Comment vas-tu? J'ai eu la fête des récoltes aujourd'hui aussi. La première fois, j'ai acheté les saisons il y a quelques jours. Eh ben, les gnomes étaient énervés, ont foudré ma Simzago. Oui. En fait, il faut que tu leur donnes les bons trucs. C'est-à-dire que si tu donnes, par exemple, une tarte ou du café ou pas au bon gnome, eh ben, ils vont te foudroyer. Surtout si t'essayes, en fait, après de dire oui, je sais plus comment c'est, ce qui est le truc. C'est essayer de parlementer avec eux, en gros, et ben ils vont te foudroyer. C'est pour ça que moi je m'en occupe plus, comme ça ils me cassent plus les pieds. Mais il arrête pas de mettre des trucs tout seul sur son réseau social. Il est devenu accro à Facebook, Bordeaux. Le pauvre chou. Grandi dans combien de temps? Attendez, c'est. Non, c'est là. Ouais, c'est parce que. Dans 6 jours. Oh là là, Bordeaux vieux, j'ai pas envie. Hein. Je suis pas prête. Hein. En ce temps-là, lui. Quelle image ennuyeuse. Bah, il va s'occuper tout seul de son truc, hein. Moi, je ferai pas ça. Et puis, il va avoir un niveau 6 de fuséologie, là. Il est bien parti pour, hein. Ça va être tellement facile de faire. Finalement, il y a pas mal de taf à faire avec lui, mais. Il est peut-être maladroit, mais il est tellement intelligent, notre garçon. Implorer le pardon, c'est ça, Sianana. On peut savoir ce qu'ils veulent. Oui, sur Internet, ça a des listes que des gens ont fait, en fait. Donc, tu peux savoir exactement ce qu'il faut leur donner. Vas-y, tu vas arrêter, tu vas aller dormir. Parce que là, il est minuit et demi. Mais! C'est un concept, les Sims. Hein. Je ne le ferai pas, personnellement. Parce que je suis pas sûre de rester à flotter sur le dos une fois endormi. Ah mais c'est ça, je devais. Ah, attendez. Accrocher les décorations. Voilà. Ça va valider deux trucs, mais j'aurais pas. Voilà. C'est pas très. C'est pas réussi, quoi. Lui, il est content, il a validé. Mais punaise, arrêtez avec les tapis qui bougent, les Sims, là, ça va me saouler, là. Terminé, terminé. Bon. Mais Bordeaux, mais tu t'es couché à quelle heure? Il est 2h du matin, t'es quasiment en pleine forme. C'est ça qu'on le surveille pas, hein. Ils font leur vie. Hein. Vas-y. Réveille-toi. Tu valides un truc, non? Voilà, il est content. Hop. Il a fait pop et puis il est reparti se coucher. Quand ils ne s'occupent pas des gnomes, ils abîment. Non, ils abîment rien. Tu vois, regarde là, je m'en suis pas du tout occupée. Ils sont. Ah bah, regarde, ils sont là. Mais ils ont rien fait, tu vois. Ils se baladent juste en fait. Ils abîment rien, ils te lâchent pas des 10 millions de paquets de graines et tout, et c'est beaucoup plus agréable finalement. Parce que moi, ça me gonfle, ça m'a vite gonflé en fait. C'est mignon, je l'ai fait plusieurs fois et tout, mais au bout d'un moment, ça. C'est chiant, donc j'ai vite arrêté. Toi qui veux demander ton intelligence, deux.
Bah oui, l'intelligent, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, 6 h, ça va, il y a encore le temps, il commence les cours à 9 h 30. Alors, toi, tu vas aller bosser. Hop. Alors, tu peux faire pipi sous la douche. Ça y est, maintenant que j'ai le crac-crac, je vais commencer à vouloir le pipi sous la douche. Non, mais en plus, il y a la carrière d'écologiste, et ben, regarde, de l'eau, qu'il est beau! Allez, va faire ton petit pipi, va faire ton petit pipi. Allez, je te l'autorise. Tu seras à l'avance en plus pour l'école. Oh là, si, enfin l'école. Tu vas regarder la télé après. On va éteindre ça. Oh! Mais arrête de poster des trucs, Bordeaux! Mais il est obsédé que fait. Je vous ai dit, il est obsédé que Facebook. Bordeaux part travailler. Dans 1 heure, les cours de Pulco. Il travaille dur, lui, c'est bien. Je suis au taquet, hein. À 9 h 15, t'arrêtes tout. Hein. Non! Non! Non, non, tu montes pas, non. Tu viens ici. Voilà, tu viens là. Je veux pas que tu perdes de temps. Et t'as pas le temps de manger une banane, désolé. Tu la mangeras en rentrant. Et hop là, il est parti! Il a écouté attentivement. Il est pas là, mais il parle. Ah, on peut pas regarder ce qu'il regarde. On peut pas. Niveau supérieur de la compétence bricolage, oui! Mais c'est trop bien. En fait, ça va être, c'est un cheat énorme, en fait, le truc de l'université, parce que c'était pas prévu dans le challenge de base, forcément, parce que ça vient de sortir. Mais là, sans le faire bosser, je vais avoir des points de compétence de ouf, en fait. Il va arriver au niveau 10 sans rien faire, j'ai l'impression. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi, je suis fière. Je suis contente. Je suis fière de mon petit Pulco. Tu lui as dit d'aller dormir et il va dans la piscine. Ah oui! Oui, c'est vrai que. Mais il est intelligent quand même, à part ça. Salut, Mamsa! Et merci beaucoup pour ton follow. Et mon Sims vient de rencontrer Messi à l'école. Elle avait trop envie de jouer, au final. Je donne envie de beaucoup de choses, hein. D'aller visiter l'Égypte, de regarder une série, de jouer aux Sims, de faire un challenge. Vache, si j'avais. Je sais pas, je savais pas que j'étais autant inspirante, quoi. Grâce à vous, je le découvre, hein. Parce que j'en aurais aucune idée dans ma vie, hein. Enfin, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi, attention. Hein. Je suis pas. C'est pas moi qui vais me vanter de ce genre de choses. Donc là, la robotique analogique, il a déjà fait ses devoirs. Donc c'est cool. À 15 h. Il a un peu le temps, là, tranquille, il peut manger. Tu peux même. Voilà, tu peux écouter de la musique si tu veux. Tu peux même améliorer. Continuer d'améliorer ta fusée. Oh, ça, c'est bien. Ambitieux. Mais oui, t'inquiète pas. Oh, tu vas les avoir, les ambitions, là. Tu vas devenir Ranger de l'espace, mon petit. Est-ce que Ranger de l'espace, c'est quel niveau de carrière, niveau astronaute, d'ailleurs? Est-ce qu'on est déjà quasiment à la fin ou pas? Et moi, j'ai commencé tous les challenges que j'ai vus sur ta chaîne. Et vous savez quoi? J'en ai découvert deux autres qui pourraient être sympas. Il y en a un, je pense que je vais le faire. Parce que ça à propos. C'est un petit truc que j'ai vu sur le forum. Il y a quasiment personne qui l'a fait. Enfin, c'est avec Salvadorada. Et comme j'adore Salvadorada, je me suis dit, bah tiens, peut-être bien de le faire et tout. Ça peut être bien. Vous avez réussi à télécharger la mise à jour d'aujourd'hui? C'est mon truc. Je n'ai pas vu de mise à jour, moi, perso. J'ai pas fait. Après, j'ai le jeu qui est lancé depuis un moment aussi. Hein. C'est à 15 h, hein, c'est court. Ce stress. Regardez-moi ses fesses. Il a des belles fesses, hein. C'est un Sims, hein. C'est des pixels, hein, mais il a des belles fesses. La guirlande derrière toi, elle accélère par moment. On dirait que tu es en 3 fois. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Bah oui, c'est ma guirlande de Noël, hein. Dans 1 heure. Est-ce que t'auras fini d'améliorer dans 1 heure? Tu lâches tout, hein. À moins le quart. Oui! Mais il est fantastique, ce petit. Oh, il est génial. Alors, on aura le temps, même. T'as une demi-heure d'avance. Tu vas pouvoir venir ici. Tranquillement. Comment tu vas? Il va nickel. Il va nickel. Tu vas peut-être envoyer un message. C'est qui, elle? Serena? Professeur! J'avais pas fait attention qu'ils avaient leur professeur.
Lana Colette avec Tomax Colette, c'est bizarre comme nom. Yann Garcia. Ah ouais. Tu m'as envoyé un SMS de bonheur à elle, tiens. Il faudrait que j'installe des jeunes filles dans mon truc pour qu'ils puissent découvrir l'amour. Viens ici. Il est hors de question que tu sois en retard, je te le dis direct. Voilà, Justine, forcément, elle répond. Bordeaux a ramené 2450 simflouss. Allez. Oh, vas-y, travaille bien, mon petit. Écoute activement. Et petit Bordeaux deviendrait. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Bon, il a des rides, hein. C'est bien, mon petit Bordeaux, tu as bien travaillé. Oh, bah, t'es en pleine forme, hein. Punaise, tu te lèves à pas d'heure et. Bah, écoute, fais ta life, quoi. Après, t'iras t'amuser si tu veux. Tu vas aller boire, prendre un gobelet du jus de fruits. Ok. Regardez les présidents alcooliques. Franchement. Mais quoi? Jus qui ne pétille plus. Bah ouais, mais il est bête aussi celui-là. Vas-y, mets-le dans l'inventaire. Comme ça, tu en reprendras plus. Tu iras faire des longueurs après. En nager tranquillement en étant d'humeur triste. Je suis triste, j'ai bu un coca sans bulle. Je suis tristesse. Je vais beaucoup vite, hein. Alors, a rendu ses devoirs pour ses cours et a beaucoup d'assurance et a accumulé maximum de connaissances. Tous ses efforts seront sûrement très bénéfiques pour. C'est bien, mon petit Pulka. Il est trop fort. Et donc, 4 jours, 3 jours, 4 jours, 3 jours. Devoir pas commencer, pas commencer. Il doit tout refaire. Tous ses devoirs, il faut qu'il les fasse. Alors, on va les faire, je pense. Il a cours en premier à celui-là. Donc, rien d'irréparable. Tu vas rebosser tes cours sur rien d'irréparable. Rien d'irréparable. Au moins, ça c'est fait. Et après, ce sera robotique. Bien sûr, j'ai toujours une assiette qui pue. Pas loin, parce que bon, eux avec la vaisselle ils ont un vrai problème. Hein. Comme ça, le vendredi arrive et on pourra faire avancer encore plus. Donc ce sera robotique analogique. Il y a un voisin qui passe. Ouais, il l'a là, je suis con. Robotique analogique. Ok. Oh bichon! Bon, il nage bien en étant triste. Hein. Il va me donner le tournis là. Oh vache. Voilà. Regardez comme ça. Tout le monde essaye de la faire. Peut-être c'est Origine qui bug. Salut Pearl! Ah, vous avez pas non plus. Moi j'ai. Non mais moi le jeu il est ouvert depuis plus longtemps donc. Eh, pas mal elle! Elle est mignonne elle! Personne ne l'a encore dit. Le Festival des épices. On s'en fout. Non! J'allais dire Tyrion. À force de gueuler sur mon chat. Tu vas pas parler à ton fils. Tu vas aller te laver? Allez, c'est bien, t'as choisi la douche. C'est bien, c'est mieux pour se laver. C'est un fonctionnaire Brodo, exactement. Très bien, je voulais te remercier pour le live d'hier soir. Oh, c'est mignon ce lune. Ah, c'est plus knacky le vendredi. C'est vrai que ça fait. On a pas mangé de saucisse aujourd'hui à l'anniversaire. Par contre, on a invité un petit casse-dalle pour Bordeaux parce qu'il s'est réveillé avec la trique. Alors, comme ça, il s'est calmé dans la nuit. Pour le soir, en fait, après l'anniversaire. Les matchs de football ont lieu tous les vendredis à 18h au stade de Foxbury. Les places peuvent être achetées au stade au début du match. C'est bien. Sécafous! Allez, mon petit. Travaille. Bordeaux. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux l'aider au devoir? Je suis pas sûr, hein. Non, il peut pas. Hein. C'est pas parce que s'il a pas les compétences, il pourra pas l'aider. Muchi Pichi? Va manger, Bordeaux. Va manger. Après, t'iras courir. Je me débarrasse de lui en fait à force. Mais non, parce qu'en fait, il. Voilà. Maintenant, je suis focus sur son fils et qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Donc bon. Non, mais ici, on travaille. On travaille nos devoirs, nous, nos cours. Excuse-nous, hein. On veut devenir Ranger de l'espace. Ah mais moi, dès que vous jouez ensemble ou dès qu'il y a un live, je regarde. En plus, toutes les deux, vous me faites trop rire. Même si je suis restée jusqu'au bout.
Oh, c'est vrai qu'hier on a mis le temps en plus pour jouer avec Marie. Oui, parce que YouTube, vous savez pas, des fois sur Twitch, je me fais des petits lives et on joue avec Marie ensemble sur le même jeu qui s'appelle Age of Empires. Et du coup, on essaie de ratatiner les adversaires ordinateurs, mais qui des fois nous ratatinent plus la tronche que nous, on les ratatine. Mais on rigole. Ça dure 3 heures, mais on rigole. Salut Nous, comment tu vas? Mais t'avais pas mon... Arrête d'embêter ton fils, s'il te plaît. Niveau 3 de la robotique. Ah ouais, il va pouvoir nous faire des Robax. C'est trop bien ça. Envie de rencontrer du monde, Pulco devrait envisager d'adhérer à un club universitaire. Oh, ben oui. C'est vrai qu'on pourrait tenter le club universitaire. Attendez. Les intelligentissimes soirées étudiantes et le bar local. Il a Foxbury, hein. Le pro des robots. Non, nous on est plus ça. Les intelligentissimes, je pense que c'est pas mal, non? Ont réuni leurs idées et sont venus à la conclusion qu'ils avaient besoin d'arrêter temporairement d'étudier pour faire une pause. Profiter d'un agréable samedi dans la cour du club de Foxbury. Hey, ça rime. Bref, cette journée est l'occasion pour les étudiants de taper le ballon, de s'amuser avec la meilleure des mascottes, Larry le homard. Et le pro des robots, votre robot fonctionnel est le meilleur robot sur Terre, mais personne ne le sait. Participez à ce concours dans la cour de Foxbury et vous aurez peut-être la chance de devenir l'as des robots, au moins jusqu'à la semaine prochaine. On ferait quel truc du coup dans un club? Je pense que c'est bien, c'est un week-end. Enfin, quasiment quoi, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Donc, oh, mince! J'ai une meilleure idée! On va retenter la société secrète. On est vendredi soir, ils vont se réunir. Donc on va y aller. On va aller là-bas. On va aller voir qui sont les membres. Le jeu qui n'en finissait s'échapper, jamais être fini. Les Sims et ses packs et mises à jour. Ah oui, tu peux acheter un atelier de fabrication de robots. Oui, bien sûr, Sianana, c'est dispo dans le truc. Mais bon, c'est pas trop son projet parce que son projet à lui, c'est d'être astronaute. Donc les robots, c'est pas vraiment ça, quoi. Dès qu'il a fini ses cours. Oh, Porto. Porto. Ouais. Va courir. Comment je vais faire quand il sera vieux? Je pourrai plus l'envoyer courir à la moindre occasion. Mais non, mais il sera marié et il fera crac-crac en permanence avec son ou sa conjoint. Allez, tu vas nous faire un pipi? Oh là là, t'as faim en plus, t'es chiant. Pensez à un membre de famille. On va bouger. On va aller à. Je sais plus comment ça s'appelle. Gibbs Hill. Ne te lave pas les mains! C'est pas grave. Ah, faut le faire dans la vraie vie, hein, bien sûr. Ok, nous voilà au pub. Oh, bah regardez, il y a maman qui est là. On s'en fiche. Salut maman! Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, bah ça, c'est un monsieur. Ça, c'est une madame. Adulte. On va laisser tomber. Par contre, on va tout de suite aller. Bon, ça y est, je suis déjà perdue, moi. C'est où? T'es là. T'es là, regardez, ils y sont. Qui c'est? Oh, ces trois filles! Quelle chance nous avons. Emma Garcia, Gwen Dubois. Ah, tiens, encore une Dubois. Et Sophie Molton. Je crois qu'elle. Viens, 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 viens. Viens ici. Non, non, tu vas pas manger. Mais elle donne un truc pourri, elle! La salade, ça c'est bien. Eh, ils font de la tectonique? Laquelle qui sera la plus belle à votre avis? Attendez, déjà, je vais faire. Jeune adulte. Jeune adulte. Adulte, donc pas Sophie déjà. Donc on va s'intéresser à ces deux jeunes filles. Présentation amicale, présentation amusante. Bon, elle a pas l'air jojo. Enfin, elles ont pas l'air très jojo de profil, en tout cas. Non, tu vas pas poser des questions parce que ça les fait fuir. Tu vas demander comment s'est passée la journée. Voilà. Se renseigner sur la carrière.
Faire connaissance. Comment s'est passée la journée? Gwen est sans emploi, bah voyons. Tu me diras. Moi non plus, je suis sans emploi. Elle adore la nature, Emma. Très bien. Fais connaissance. Non, pareil, réunion suspecte. Non, non, on va faire autre chose à la place. Voilà, on se renseigne, on pose des questions, mais anodine, hein, sinon ça va. Non, c'est pas du tout bizarre, votre tenue. Non, pas du tout. Voilà, on discute, tranquille. Ah, Gwen est méchante. Et puis, oh oui, lui, il est solitaire, mais c'est vrai qu'il va nous casser les bonbons. Hein. On peut les congeler. Vu qu'il a le pistolet de sa grand-mère, on peut les congeler s'il faut. Ah, Emma est mère au foyer. Bon, ben, elle sera pas pour nous. C'est pas grave. Et toi, t'es chelou, Gwen, hein, Gwen. Ah, attendez, c'est laquelle? Je sais plus. Bref, pas grave. Débat de la stratégie de jeu. Enlacé tendrement. C'est un peu bizarre, Pulco, quand même. Évacuer le stress. Oh, vous me stressez, je suis solitaire, moi. Hein. Il va dire une connerie. Voilà, il a dit une connerie. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, ça va être sympa pour draguer avec lui. Discuter du stress. Se vanter d'être bricoleur. Insulter. Parler du temps ensoleillé. Non mais... Voilà, on les connaît quand même un peu plus, là. Comment s'est passée la journée? Je suis à fond dedans, hein, je vous le dis, direct. Oh non, le relou. Le Sims relou. Tu peux pas t'excuser? T'as pas fait de gaffe? Tu as partagé tes incertitudes? Extraverti et morose. Et raconter une blague autodénigrante comme moi. Oui, faire une offrande de gâteau aux cookies ou de sucrerie à la statue. D'accord. Gwen, c'est la tata de Pulco. C'est laquelle, du coup, c'est... Alors, c'est... C'est elle. C'est pour ça, alors, peut-être. Mais on l'avait jamais rencontrée, en vrai, je crois. Celle-ci. Avec un nom comme Dubois, je me suis dit que ce serait sûrement quelqu'un de la famille, mais bon. Et on peut mettre quelque chose, nous? On peut mettre une banane? On peut pas le mettre. Tu veux une pomme? Tu veux un dinosaure? Tu veux de la... Mais non, nous, bah non, on n'en fait pas partie. Bon, allez, quelques questions, et puis on va voir quelles tronches elles ont dans la vraie vie. Ah oui! Elles sont passe-partout. Oh, elle est mignonne, Gwen! Elle a des sourcils bleus. Par contre, Sophie... ouais, voilà. Mère au foyer, sans emploi. Attendez, on va aller voir ça, si elle est prise. Ah non, elle est mère au foyer, mais elle a pas d'enfant ni d'amant. Bon, mais bon, ça fait un peu bizarre de se taper sa tante, quoi. On n'est pas dans Game of Thrones, ici. Faut connaître les trois de la société. Alors, attends. Bah là, je les connais. En fait, on peut être que trois. Ils peuvent être que trois. Accueillir le stress. Raconter une blague sur les vampires. Évacuer le stress. Allez, tu discutes un peu et puis là, on aura fait connaissance avec les trois de la société secrète et ce sera très bien. Il est 2h du mat. On va rentrer. Oh! Allez, bah, elles s'en vont. Ça va, Tati? Raconter les ragots à Tati. On t'avait jamais rencontré, Tati, mais t'es cool. Allez, on va... Oui, mon petit, on va rentrer. On va rentrer à la zombie. Maintenant, il va falloir... Mais vas-y, elle est partie. On a au moins approché la société secrète. Nous voilà rentrés à la zombie. Bordeaux, qu'est-ce qu'il a fait? Sûrement rien. Oh là là, la dalle, par contre, choupi. Tu vas manger ta banane, là?
Une pomme, une banane. Et tiens, il y avait ça. On va le mettre au frigal. Et puis tu vas être couché, mon petit. Tu vas faire un gros dodo. Toi aussi. Ouais, lui, je suis sûre. Ouais, lui. Bordeaux, il a dormi tout le temps qu'on n'était pas là. Du coup, maintenant, il peut se déhancher. Voilà. Allez, mon petit pulcote. Je suis pas allée au lit. Et bonne nuit, mon petit! Tiens, je me rends compte que je n'avais pas enregistré du tout depuis le début de la game. Bah écoute, tu vas venir te coucher aussi, parce que moi j'aime bien quand vous êtes tous couchés. Quand je reprends une. Quand je finis une partie, vous êtes au dodo. Voilà, j'enregistre. Et je vais donc vous quitter pour YouTube. Merci d'avoir regardé cette rediff. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit, comme un petit like. Hein, ce sera bien, bien pour moi. Oula, 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 oula. Ce sera bien pour moi et ma chaîne. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao.